நமஃ பார்வதி பதரே ஹரஹர மகாதேவ தென்னாடுடைய சிவனே போற்றி எந்நாட்டவர்க்கும் இறைவா போற்றி வணக்கம் அத்தோஸ். Aujourd'hui, nous allons regarder les prédictions de Rahu Ketu Payirchi. Les changements planètes Pluto et Neptune. Avant ça, je voulais raconter une petite histoire par rapport à Rahu Ketu. C'est quoi, quelle planète, son histoire, tout cela, je voulais raconter très petit. L'histoire de Bhagavatam. Tous les Devas demandaient avec un sage Durvasa Maharishi pour rester sans mourir dans la vie parce que des fois il fait guerre avec tous les démons. Donc tous les Devas veulent faire un point pour ça, demander avec un sage Durvasa Maharishi pour rester sans mourir dans sa vie. Durvasa Maharishi, c'est grand sage, il donne un conseil avec ça, la direction de Indra avec tous les Devas. veut faire un projet, c'est l'ancien sacré qui s'appelle Parkadal. Dans l'ancien sacré, il faut barater pour apprendre Deva Amrutam. Deva Amrutam, c'est un médicament qui apprend à Deva Amrutam. Il peut rester dans sa vie sans mourir. Ça, c'est un médicament qui prolonge notre vie sans mourir. Pour ça, tous les Devas commencent à faire barater l'ancien avec l'aide de Serpent Vasuki, c'est un bon dieu de Serpent, avec l'aide de Mandagini, c'est une montagne. En fait, les autres barataient avec la montagne. La montagne est utilisée comme un bâton de barattage. Le code de ces serpents utilisés comme le code pour barater l'ancien. Dans ce projet, Deva gagne beaucoup de plein de choses. Hein. En fait, Dias Lakshmi sortit avec sa même. Kamadhenu sortit avec l'ancien. Donc, à la fin, l'histoire c'est très grand. Poison aussi sort avec. Donc, Shiva pensa, c'est l'histoire de l'autre chose en fait. Hein. Donc là, nous allons regarder que Rahu Ketu seulement. À la base, tout le monde trouvait Amrutam. Amrutam venu avec, c'est un bon dieu qui s'appelle Dhanvantri. Dhanvantri Mahavishnu venu avec Amrutam, c'est le nectar de vie. Ce qui prend Amrutam, il peut rester sans mourir dans sa vie. Donc Dhanvantri, ils ont partagé Amrutam avec tous les dévots. Après, ils ont ramassé un endroit. Un démon veut voler pour donner tous les démons pour son disciple, tout cela. Ils ont volé, ils déjà pendant un petit peu aussi. Parce qu'ils sont en prison, ces dévots, tout cela ne pouvait pas contrôler lui. Donc ils prennent Amrutam, ils boivent déjà un petit peu. Après, ils voulaient voler ça pour prendre son place dans ce projet. Tout le monde allait avec Vishnu pour dire s'il y a quelqu'un venu pour voler Deva Amrutam. Donc Vishnu venu tuer cet démon avec son Sudarsana Chakra. Mais cet démon, déjà, il prend un petit peu Amrutam. Donc il n'est pas mourir. Mais avec présence de Sudarsana Chakra, ils ont déjà coupé. Donc ils ne pouvaient pas faire ensemble en fait. C'est pour ça que les têtes venues comme Rahu. Kro vini comme Ketu. Donc, c'est un bon dieu qui s'appelle Chaya Graham dans l'horoscope. C'est une planète de l'ombre. Donc, c'est ça l'histoire de planète Rahu Ketu. Donc, Rahu Ketu, qu'est-ce qu'il fait dans notre vie? Ben, Rahu jurait dans le Kro du humain pour la vente, pour la terre. Pour les reins, poumons, pour femmes, pour l'utérus, comment on dit ça, l'ovaire, tout cela, c'est Rahu qui travaille. Ketu pour l'esprit, pour faire, comment on dit ça, c'est la méchanceté du monde, c'est le mauvais péché, mauvais karma,
Tout cela, c'est par rapport à la prédiction de position de planète Ketu. Donc, tous les deux, c'est très important dans la vie, dans l'horoscope, dans son changement. Nous avons beaucoup de changements dans notre vie aussi. Alors, combien de jours ça restait dans la maison? Tous les 18 mois, il changeait sa maison. Donc, un an et demi. Ils ont changé son maison, mais seulement sens, pas comme les autres planètes, parce que premier, cette planète retournait sens droite, mais Rahu Ketu, ils ont retourné gauche. Là, aujourd'hui, Rahu restait dans la planète de Mithunam. Mithunam, c'est Gémeaux. Ils ont entré dans le signe de Rishabham. Rishabham, c'est Bélier. Ketu restait dans le signe de Sagittaire. Ils ont entré dans le signe de Scorpion. Donc, par rapport à ça, nous trouvons un changement dans la vie. Alors, c'est quand ce changement? C'est 1er septembre, mardi là, après-midi, 2h, 14h16. L'heure en Inde, ici, ça fait 3h46, Rahu Ketu déménageait sa maison. Par rapport à ça, je vais garder, bon, c'est une prédiction de général. Après, je vous dirai un truc, un prière pour faire dans la maison, pour faire un prière simple. Mais avec la situation, on ne pouvait pas aller à la chapelle pour faire un prière. Mais seulement, vous avez droit à faire prier chez vous-même. Donc, le changement, c'est très important pour nous. Donc, il faut aller dans la chapelle s'il y a l'occasion pour aller à la chapelle ou sinon, faire une prière chez vous-même. Le changement pour Bélier avec Taureau, c'est pas trop bien. Ben, mitigé un petit peu. Gémeaux, Cancer, Lion, tout cela, c'est bien. Vierge, Balance, Scorpion, c'est bon, métisé, Sagittaire, très bien, avec Capricorne, c'est trop faible, Verseau avec Poisson, c'est aussi très faible. Mais après, c'est tout cela, c'est pas que la position de Rahu Ketu. Après, plus tard, 15 novembre, c'est Jupiter déménager sa maison. Par rapport à ça, nous tout le monde gagnait bon résultat dans notre vie. Après, plus tard, 26 décembre, Sani déménager. Saturne, planète Saturne déménage sa maison. Après ça, c'est ben, nous trouvons un très bon résultat par rapport à la malade. Tout cela, nous trouvons un bon médicament. Nous bien avancer dans le comment on dit ça, dans son situation. Mais cette année, c'est un petit peu spécial. Pourquoi? Parce que quand ils ont entré déjà, planète c'est retourne d'autre sens. L'étoile, dans les 27 étoiles aussi, c'est une étoile, ça retournait d'autre sens aussi. Ça, c'est l'étoile qui s'appelle Anusham. Parce que Rahu entrait dans la maison de Taureau avec étoile de Anusham. Donc, Ketu entrait dans la maison de Scorpion avec l'étoile de Kartikeya. Donc, Vishagam, c'est l'étoile de Lakshmi et Durga. En fait, là, pour 9 planètes, il y a chef bon Dieu. Chaque fois que je répète ça, pareil, Rahu, Ketu aussi, il y a un chef. Pour Rahu, c'est Durga qui est chef. Quand tu fais prier Durga par rapport au changement de planète Rahu, avancement de travail, de santé, c'est un peu faible par rapport à la malade de ventre, ou sinon mal aux yeux, mal à la tête, il y a plein de trucs dedans. Il faut vous regarder, chacun son horoscope, c'est pas pareil du tout, donc ça c'est un truc général, je répète plusieurs fois. Parce que tout le monde, il n'y a pas même avantage dans l'horoscope. Ça dépend entre l'heure, le jour, aussi entre l'âge.
Par rapport à l'âge, Dasa Bhukti, ça change plein de trucs, beaucoup de choses dans notre vie. Donc, inquiète pas, ça c'est un truc général pour connaître, juste pour connaître, c'est tout. Après, si vous voulez faire qu'un horoscope, il faut voir bien, dépend ton date de naissance, avec l'heure, quel pays, tout cela. C'est autre prédiction, c'est pas du tout pareil, ça change un petit peu aussi. Donc, pour Rahu, il faut prier Durga. Ketu, c'est Ganesh. Ganesh qui gérait Ketu. Donc, cette année, besoin de faire prière 1er septembre, Ganesh et Durga dans notre maison avec autre prière. C'est plus besoin de grand prière, cérémonie, yagon, tout ça là, c'est autre chose. Mais seulement fais un truc simple dans notre maison. Fais une petite prière pour Ganesh, pardon, allumez la lampe devant Ganesh, dépose un petit peu de fleurs. C'est l'heure, c'est mardi après-midi, 3h46. Si dans ce l'heure, quelqu'un vient fait prière, ou sinon, si qui veut gagne pas, fait le matin ou après-midi dans le jour. Ganesh avec Durga, c'est Durga, c'est une forme de Kali en fait. Donc, il faut allumer lampe devant au bon Dieu, déposer un petit peu de fleurs, demander avec votre bon Dieu pour éclairer votre chemin par rapport à la changement. Il faut pas obtenir un bon malchance, tout cela. Donc, aussi, planète Rahu, Ketu, pour le monde, hein? Pour le monde, Rahu, Ketu qui gérait toute la malade invisible. Par rapport à la moustique, le serpent, après le problème de saison, avec de l'eau, nature, le feu, tout cela, c'est par rapport à la position de Rahu Ketu. Donc, Rahu Ketu, cette année, c'est pas trop mal, c'est déjà c'est bien. Donc, c'est très attention. Il faut faire une prière, c'est sûr, cette année, il faut besoin de faire une prière pour Ganesh, Durga, dans l'autre maison, plus besoin de grand prêtre, tout cela, plus besoin. Ou faire autre prière dans l'autre sens, dans l'autre maison. Fais une prière, fais une chanson, ou sinon, juste un truc simple dans la maison, mais dans ce jour. Donc, oublie pas, c'est 1er septembre, mardi, après-midi. 3h46, si vous avez gagné, ou sinon, dans le mardi, matin, midi, soir, n'importe, si vous gagnez, faites une prière Ganesh avec Durga pour empêcher toute la malchance pour avancer dans votre vie sans obstacle. Bonne chance pour tout le monde. Si vous avez un doute, si une question, tu peux poser sur la Messenger ou sinon sur le WhatsApp. Quand je suis libre, je vous réponds aux questions. Mais bon Dieu, mon gars, ne laisse pas nous comme ça. Donc, continue votre prière. Fais confiance avec votre bon Dieu. Fais confiance avec votre prière. N'importe quelle religion, parce que dans l'horoscope, ça ne regarde pas la religion en fait. Donc, tout le monde ferait prière dans l'autre sens, votre bon Dieu, dans ce jour. Donc, bonne chance pour tout le monde. Nandri. Vanaka.